Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les jeunes Ansar, comme bien d'autres adeptes Ansar, ont rendu une visite de courtoisie à leur guide spirituel, Assir Chérif Ousmane Madan Aïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali. Les portes des journées, portes ouvertes de la Société Générale de Business Agricole Sogeba, se sont fermées ce dimanche 27 octobre à Sikoro, dans la commune rurale de Sanakoroba, sous une bonne note d'espoir, nous dit Amadou Camara. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Les jeunes Ansar, comme bien d'autres adeptes Ansar, ont rendu une visite de courtoisie à leur guide spirituel, Assir Chérif Ousmane Madan Aïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali. Cette visite de la frange juvénile des Ansar s'inscrit dans la logique de présentation de vœux à Chérif Ousmane Madan Aïdara suite à son élection à la présidence du Haut Conseil islamique du Mali. C'est dans l'allégresse que s'est déroulée cette rencontre entre Chérif Ousmane Madan Aïdara et la jeunesse Ansar du district de Bamako et environ, qui a réitéré son soutien aux efforts de leur guide spirituel. Notre objet d'aujourd'hui, c'est juste venir saluer notre guide spirituel. Nous sommes des jeunes Ansar. Donc au nom des jeunes et puis au nom de l'Ansar, on est venu rencontrer notre guide et pour le remercier et puis de lui saluer, de lui dire toujours on est avec lui. On peut dire qu'il est envoyé pour nous les jeunes. Donc vraiment nous le remercions et puis nous demandons Dieu, que Dieu lui donne une longue et heureuse vie à lui et à tous les Ansar du monde entier. Quand on parle d'une famille, il faut commencer par les jeunes d'abord de la communauté. Bon, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse a toujours un rôle, quoi qu'il en soit dans la famille ou dans la religion. Donc vraiment, il faut qu'on se donne la main et nous nous levons pour soutenir l'islam entier, inshallah. Suite à l'appel humanitaire du Haut Conseil islamique du Mali, invitant les uns et les autres à multiplier les gestes de solidarité envers nos compatriotes ayant quitté leur localité sous les contraintes de l'insécurité, l'Ansardine nationale, sous la houlette de son guide spirituel Assir Chérif Ousmane Madan Aïdara, a offert un don capital composé d'habits, de chaussures, de vivres et beaucoup d'autres articles divers, accompagnés de la somme de 10 millions de francs CFA au Haut Conseil islamique du Mali. Ce don est destiné aux réfugiés des régions touchées par la crise sécuritaire. Moussa Fomba nous en dit plus. L'invocation du Tout-Puissant Allah par la lecture du Saint-Coran donne le ton à cette cérémonie de témoignage humanitaire. Cérémonie au cours de laquelle les Ansar, à travers le guide spirituel Assayed Chérif Ousmane Madan Haïdara, font parler leur cœur en offrant au Haut Conseil islamique du Mali un don très capital de plus de 10 millions de francs CFA et d'autres articles divers destinés aux réfugiés. À cette cérémonie ce soir à Bangoni-Diangnebougou, c'est la concrétisation de l'appel, sinon de l'incitation de notre guide Assir Chérif Ousmane Madan Aïdara à l'endroit des réfugiés, les gens qui se sont déplacés du nord, de partout à travers le pays, à travers la crise qui est en train de secouer notre pays à l'heure actuelle. Donc ceux-là qui se sont déplacés, ils sont nombreux ici à Bamako et environ. Donc l'appel que le guide a lancé à l'endroit de tous les musulmans, à l'endroit de toute la population malienne, pour pouvoir venir à ces gens-là, pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. Donc c'est la concrétisation de cet appel-là qui nous a réunis ici ce soir. En termes d'espèces, on a pu rassembler 10 millions à l'endroit de nos frères réfugiés. Et aussi, il y a la contribution en nature, comme vous le voyez. Il y a 632 sacs d'habits qui ont pu être rassemblés. Et aussi, beaucoup de sacs de mil, de riz, toutes sortes de céréales.
En recevant ce don en réponse des Ansars suite à son appel humanitaire en faveur des déplacés, le Haut Conseil islamique du Mali à travers son deuxième vice-président s'est dit tout heureux. Il a par ailleurs chaleureusement remercié les donateurs pour avoir emboîté le pas à Seyed Cherif Ousmane Madana Haïdara. Aujourd'hui, nous, la Commission nationale des quêtes au sein du Haut Conseil islamique, nous sommes très fiers de notre président Cherif Ousmane Madana Haïdara, qui est le guide spirituel des Ansardines. Vous-même, vous voyez derrière moi tous ces colis avec des sommes de 10 millions en espèces. Et le tout, ça fait 35 millions. Et ces 35 millions de valeurs sont destinées aux déplacés du centre du Mali, cela veut dire la région de Mopti, qui sont déplacés à l'intérieur du Mali, à Bamako, à Ségou et ailleurs. Cet acte humanitaire posé par les Ansars reflète la sensibilité de Seyed Cherif Ousmane Madana Haïdara quant aux problèmes des autres et son dévouement à apporter sa contribution aux couches vulnérables. Une donation qui sera acheminée à destination finale en toute transparence au dire du deuxième vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc ce don sera, Inch'Allah, acheminé vers les nécessités et les intéressés. Nous sommes des musulmans, on nous a donné la confiance de mener cette activité, on va les mener jusqu'à la fin et dans la transparence, toute la transparence. À titre de rappel, le coût estimatif de ce don, qui est de 35 millions de francs CFA, est composé entre autres de 632 sacs de vêtements, 4,5 sacs de chaussures, 12 sacs de mil, 2 sacs de riz, 3 sacs d'ustensiles de cuisine, des tasses et plusieurs autres articles divers accompagnés de 10 millions de nos francs CFA en espèces. Des vœux de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. L'association Sigida Kanou a procédé ce samedi 26 octobre à la remise des kits sanitaires aux associations de santé communautaire Asako de Djikoronipara d'un montant de 1 million de francs CFA. Le point avec Amadou Kamara, nous me connaît. Cette cérémonie de remise des kits sanitaires aux associations de santé communautaire Asako de Djikoronipara est une initiative de l'association Sigida Kanou de la localité, et cela dans le cadre du mois de la solidarité. La cérémonie qui nous réunit ce matin est certes modeste mais pleine de sens. En effet, elle marque la mise en œuvre de notre programme intitulé Sigida Kanou. C'est un ambitieux programme de développement de notre association qui a pour objectif principal d'apporter des solutions idoines aux problèmes et défis de notre quartier. Ce programme est le fruit des idées et des réflexions recueillies à l'occasion de plusieurs rencontres empreintes de courtoisie, de respect, de collégialité et de la confiance. La présidente des Asako de Djikoronipara a, au nom des populations, remercié et félicité les membres de l'association Sigida Kanou pour cette marque de solidarité à l'endroit de sa structure. Aujourd'hui, on a fait cette donation pour nous. C'est venu à temps. Nous, on évolue sur notre propre fonds. Quand nous, on prenait l'Asako, là, c'est l'association des chefs de famille de Djikoroni qui a mis cette Asako-là en place. À l'époque, ça n'a pas été facile. C'est les cotisants de Djikoroni. Djikoroni seulement, on a contribué pour pouvoir démarrer l'Asako jusqu'à nos jours. Et c'est des jeunes de Djikoroni et la diaspora, nos enfants qui sont là-bas, qui sont réunis avec ceux qui sont à l'intérieur ici, cotiser pour pouvoir acheter ces dons-là aujourd'hui et donner à l'Asako Djeneka, à l'Asako Djib et à un autre centre. Donc c'est une joie qui... J'ai beaucoup de joie aujourd'hui. Les élus de la commune, venus nombreux pour participer à cette importante donation, n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de joie et de reconnaissance à l'endroit de l'association Sigida Kanou de Djikoronipara. Effectivement, nous sommes là ce matin dans l'Asako de Djikoroni, l'association de Djikoronipara, Asako Djeneka,
pour quand même des remises de matériel non seulement au bureau de l'ASACO mais à toute la population de Djougouronne-Para. C'est des sentiments de satisfaction et de joie. Nous avons vu que ces dons de matériel a été fait par une association, l'association des ressuscitants de Djougouronne-Para, des populations de Djougouronne-Para qui résident en majeure partie au niveau de la diaspora malienne. Donc ils ont pris cette initiative parce qu'ils ont un slogan qui est très révélateur. À noter que ces dons d'un montant de 1 million de francs CFA étaient composés de cartons d'eau de Javel, de savon liquide, de gants, de grésil, de raclettes, de balais en bambou, de coton rouleau, de paquets de serviettes et de blouses sont répartis entre les trois centres de santé communautaire de Djougouronne-Para. Je vous le disais dans les titres, les portes des journées portes ouvertes de la Société Générale de Business Agricole Sogeba se sont fermées ce dimanche 27 octobre à Sikoro dans la commune rurale de Sanankoroba sous une bonne note d'espoir. La cérémonie de clôture présidée par le président directeur général de la Sogeba s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la dite localité. Amadou Camara, Dramane Malé. L'organisation de ces journées portes ouvertes initiée par la Société Générale de Business Agricole Sogeba a pour objet d'informer et sensibiliser les acteurs du secteur de l'agriculture sur les réalisations de la société en matière de vulgarisation des semences agricoles. Nous avons organisé ce cadre de concertation pour permettre vraiment aux producteurs non seulement de venir témoigner vraiment de la performance vraiment de cette variété, mais aussi d'avoir le maximum d'informations vraiment en présence des services techniques vraiment qui ont la maîtrise vraiment des bonnes pratiques culturelles. Donc, ça fait partie de l'un des objectifs vraiment de la Sogeba, le renforcement des capacités des utilisateurs des semences. Parce qu'on n'est pas là seulement vendre pour vendre, mais pour mieux vendre, il faut que les utilisateurs soient aussi mieux orientés. Ces journées portes ouvertes ont été une occasion pour le directeur national de l'agriculture de féliciter les responsables de la Sogeba pour une telle initiative qui, selon lui, cadre parfaitement avec les missions de sa structure. Pour nous, c'est une journée qui est très importante parce que c'est un espace de donner et de recevoir. Donc, il y a les services techniques, on a les sociétés semencières, il y a la recherche agricole, et les producteurs aussi, et les organisations de producteurs et autres acteurs. Donc, après la visite, nous sommes très satisfaits, en tout cas, de l'aspect du champ. Donc, vraiment, nous, on ne peut que se réjouir de cette situation et encourager vraiment la société Sogeba dans cette initiative. En tout cas, nous, en tant que service technique de l'État, nous allons en tout cas jouer pleinement notre rôle dans l'accompagnement en tout cas de l'ensemble des producteurs de semences du Mali et aussi les sociétés semencières. Je tiens vraiment à saluer vraiment le dynamisme des sociétés semencières au niveau du Mali et particulièrement la société Sogeba, en tout cas pour tous les efforts déployés pour l'accès des producteurs en tout cas aux semences de qualité. Et aussi, il y a aussi les équipements agricoles aussi de qualité. Soucieuse et consciente de la nécessité d'informer et de sensibiliser les agriculteurs des nouvelles techniques, tout en montrant son savoir-faire au public, la Société Générale de Business Agricole Sogeba initie ses journées portes ouvertes dans son champ d'expérimentation à Sikoro, dans la commune rurale de Sanankoroba. Notre motivation d'organisation pour l'organisation de cette journée portes ouvertes ici au niveau de Sikoro à Sanankoroba, ça a toute sa raison. C'est toujours pour le développement de l'agriculture. Nous, au niveau de la Sogeba, on a toujours dit, le Mali ne peut pas se développer sans l'agriculture. Donc, comme nous nous sommes lancés dans la production, on était dans la commercialisation déjà dans les semences, sur les semences, les différentes semences, semences céréalières et semences maraîchères. Mais allez-y encore jusqu'à la production même des semences, c'est à partir de l'an passé qu'on avait commencé, qu'on a commencé ça. Donc cette année, comme nous avons mis une variété en culture, une nouvelle variété de semences qui s'appelle le sorgho Wulibali. Wulibali, c'est en Bamanangan, Wulibali, incontournable. Donc cette variété Wulibali déjà qu'on a testée ici dans notre champ de production au niveau de Sanankoroba ici, on a jugé opportun de
d'inviter nos partenaires, tous les partenaires qui sont impliqués dans le développement de l'agriculture, que ce soit les services techniques, que ce soit les ONG, que ce soit les producteurs agricoles ou les coopératives semencières, on a jugé opportun de les inviter au niveau du champ ici. Ce rendez-vous annuel qui offre une vitrine incomparable à l'agriculture du Mali n'aurait-il lieu sans l'implication de tous, a martelé le chef de l'exécutif communal, tout en invitant la population à s'imprégner de l'expérience de la Sojeba. L'objet de notre présence ici, nous venons assister à la deuxième édition des journées portes ouvertes de la société Sojeba, qui est d'une grande importance pour les paysans, mais aussi pour nous autres profanes. Donc ces journées nous ont permis de comprendre les différentes étapes des cultures, l'utilisation des semences améliorées et des nouvelles semences. Donc, vous avez vu qu'on a pu visiter 4 hectares et demi qui a été conçu comme champ d'expérience. Et le sorgho qu'on a vu dans ce champ est de qualité. Et vraiment, nous ne pouvons qu'encourager et soutenir la société Sojeba dans ses tâches quotidiennes, et vraiment de dire que tout ce qu'ils font, c'est vraiment une bonne chose pour l'arrondissement de Sonankorba et surtout pour la population de Sonankorba. Signalons que cette initiative a beaucoup plu aux 200 visiteurs venus de tous les horizons pour être témoins oculaires de ces différentes réalisations. Plusieurs partenaires contribuent également au succès de ces journées. De 2018 à nos jours, près de 200 visiteurs ont participé à cet événement majeur qui se veut, pour les agriculteurs, un cadre de promotion de leur expertise et leur passion pour la terre. Après la conférence de presse initiée par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali sur la célébration du Maouloud ayant pour thème « Ensemble pour la paix et la sécurité au Mali », les organisateurs, à travers le secrétariat aux affaires religieuses, ont conçu une brochure qui a fait l'objet d'une session de formation. Cette initiative novatrice concerne les prêcheurs du GLSM pour une meilleure compréhension afin de mieux célébrer la naissance du prophète Mahomet et salut sur lui. La formation qui s'est tenue ce dimanche 27 octobre au siège de l'ADN à Bankoni Diankinebougou a été pilotée par Cheikh Abou Jafar Djabaté. Chaque année, on fait une formation pour les prêcheurs. C'est la commission religieuse qui est le chef de l'ADN, Abou Jafar Djabaté, qui est le formateur. Les thèmes qu'on développe à travers, par rapport les sourates et les hadiths que le prophète a annoncé, par rapport le thème qu'on choisit. Par rapport aujourd'hui, le thème, c'est la paix, la sécurité, la cohésion, paix sur le Mali. On est des Maliens, mais la sécurité de notre pays, ça nous préoccupe. Ça préoccupe notre président. C'est pour ça qu'il a choisi qu'on a fait le thème. Les prêcheurs qui vont dans les différents lieux de cérémonie de Moldou, au moins, qui prend au moins un moment de temps de faire un prêcheur par rapport à ce que le thème qu'on a choisi, qui est la paix, qui est la sécurité, qui est la cohésion sociale. Notre guide Abou Jafar Djabaté, il fait développer des thèmes à travers ce que le prophète Mohamed a dit sur le Coran, sur les hadiths. Donc il fait des recherches, il forme les prêcheurs aussi sur ça. Ce n'est pas parce que les prêcheurs n'ont pas de formation, mais de le faire orienter par rapport à l'idéologie, la vision du groupement leader spirituel du Mali. Parce que ça, c'est très important. Il faut avoir un objectif. Jafar Djabaté donne notre vision, notre idéologie, notre façon qu'on veut que les gens parlent au niveau des différents lieux de Mali pour que les gens comprennent qu'est-ce que le gouvernement veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour les pays, parce que c'est très important. L'objectif de la formation de ce matin n'est autre chose que la suite logique de la cérémonie de lancement du Maouloud qui a eu lieu l'autre jour dans le salon de notre guide Assed Chérif Ousmane Madana Aydra en tant que président du groupement des leaders religieux musulmans du Mali. Donc l'objectif, c'est la suite logique vraiment de cette cérémonie-là. C'est de donner des orientations, des directives à tous les prédicateurs, à tous les prêcheurs, pour que lors de Maouloud 2019,
tout le monde puisse aller dans le même sens. Voilà, c'est ça l'objectif essentiel de la formation de ce matin. Bon, l'appel que j'ai à lancer à tous les prédicateurs partout au Mali n'est autre chose que demander à tout un chacun vraiment de se conformer à ces orientations qui sont en train de leur être données, de se conformer aux directives et orientations données par les formateurs. Voilà, c'est cet appel que j'ai à l'endroit, en tout cas, de tous les prêcheurs à travers tout le Mali, dans le cadre, en tout cas, de la prise en compte des doléances du groupement même. Nous retrouvons Moussa Fomba pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. En Algérie, l'autorité d'organisation des élections, l'ANI, a annoncé dimanche que 10 commissions examineraient les candidatures des 22 postulants à l'élection présidentielle du 12 décembre. La liste des candidatures validées sera rendue publique dimanche prochain au plus tard, a affirmé l'instance. Si l'élection est annoncée, ceux qui manifestent continuent de dire qu'ils s'opposent à sa tenue. Les assurances de transparence du scrutin semblent avoir du mal à convaincre, car l'autorité indépendante d'organisation des élections est dirigée par un ancien ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Au Cameroun, Patrick Ekema, le maire de la ville de Bouéa, la capitale régionale du sud-ouest, est décédé dimanche dans une clinique de Douala. Un coup dur pour le pouvoir de Yaoundé qui perd à travers cette disparition un puissant allié de terrain dans sa lutte contre les séparatistes anglophones. Il représentait à lui seul le bouclier du pouvoir dans la fournaise de Bouya. Dès les premières heures des revendications identitaires dans le nord-ouest et sud-ouest, Patrick Ekema est en effet apparu comme l'allié sûr de Yaoundé pour contrarier les projets indépendantistes. Le sulfureux maire de 46 ans était notamment en croisade contre les mots d'ordre de ville morte imposés par les séparatistes. En RDC, la principale plateforme de l'opposition peine à parler d'une seule voix sur de nombreuses questions publiques. Entre les ambitions des différents leaders et les positionnements de chacun par rapport au nouveau pouvoir, deux de ces leaders ont utilisé leur meeting pour se faire passer des messages. Les dissensions ont pris une autre ampleur depuis l'évocation de la question du porte-parole de l'opposition, poste inscrit dans la Constitution. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se verraient bien occuper cette position, ce qui n'est pas du goût de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mouzito. S'exprimant vendredi à Paris devant la diaspora congolaise, Fayoulou a même accusé ses camarades de tenter de réduire son influence en acceptant d'occuper ce poste. L'autre point de divergence est le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale qui est réservé à l'opposition. Déjà amputé de deux de leurs camarades venus gonfler les rangs du pouvoir, les quatre leaders de l'AMUKA sont également diffusés en deux camps. Malgré la mort probable de son chef Aboubakar al-Baghdadi, le groupe islamique reste une organisation dangereuse. Sa capacité de nuire reste grande en Syrie et en Irak. La mort d'Aboubakar al-Baghdadi dans un raid américain dans la province d'Idlib, comme l'a confirmé dimanche le président américain Donald Trump, porte un coup dur au groupe État islamique sur le plan symbolique. Mais la disparition du calife autoproclamé n'aura sans doute pas de graves conséquences sur les capacités opérationnelles que le groupe État islamique conserve en Syrie et en Irak. Les chefs de l'organisation avaient anticipé la chute du califat territorial et avaient pris des dispositions pour poursuivre la lutte en décentralisant le processus de prise de décision militaire. L'élection de Philippe Nussi est confirmée pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce leader du parti au pouvoir Frelimo recueille 73% des voix contre 22% pour son rival de la RENAMO. Ses résultats officiels ont été proclamés par la commission électorale ce dimanche, mais ils suscitent de nombreuses critiques. Dès l'annonce des résultats officiels, Philippe Nussi a adressé un message rassembleur. « Nous devons travailler ensemble pour développer notre pays », a-t-il affirmé, s'adressant à ses principaux rivaux. L'urgence à ses yeux, achever le processus de démobilisation d'anciens combattants de la RENAMO, principale force de l'opposition. Mais plusieurs voix se sont élevées pour remettre en doute la transparence de ces scrutins. Les Américains ont exprimé d'importantes inquiétudes liées à des irrégularités qui pourraient avoir des conséquences sur la perception de l'intégrité du processus électoral. Les Européens n'ont pas non plus mâché leurs mots.
Ces critiques confortent l'opposition qui dit avoir observé des fraudes massives et rejette les résultats de ces élections. Voilà donc, c'était un commentaire signé Abdulkarim Sako. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.